au kiosque à musique. Ils portaient tous des casquettes blanches. À l'exception du chef, qui n'en portait probablement pas parce que, faisant de grands gestes, oh pardon, excusez-moi, avec sa baguette, il risquait de heurter la visière de sa casquette. Tous les bancs étaient occupés par des auditeurs. La rempailleuse de chaises était là, avec sa poule, qu'elle tenait en l'aise. Ma poule, en perdait mon humain. Certaines personnes haussaient les épaules. Pourquoi ? Tous les dimanches matin, le fils de mon voisin qui frappe son piano afin de s'user les ongles parce que ses parents sont brouillés avec le marchand de ciseaux, je dis lui qu'il faut beaucoup de patience pour faire un Chopin. Hein, les rats, les souris, etc. Et quand les licons. Les licons. Oui, oui. Les licons. Oui, monsieur. Et cet instrument en cuivre dans lequel on souffle et qui fait. Il est le résultat de nombreuses recherches. Des recherches afin de développer le registre grave. Deux artistes et Rémi Bon qui résonnaient bien dans la cave. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Haute Côte de Beaune. Il fallait quelque chose qui nous élève un petit peu après ces autres.